Mais justement, je dois aller chercher le chargeur, inquiète-toi pas, il n'y a pas de souci. Je reviens, ok, attends-moi ici. Pourquoi tu dois rester ici? Parce que j'ai des choses à faire, puis je suis en train de te préparer une surprise, mon amour, c'est pour ça. Alors attends-moi ici, ok? Il se passe quoi avec mon frère? Il n'y a rien, c'est personne, c'est personne. Quoi? Écoute, on va parler, viens. Explique-moi ça. Non, mais je vais t'expliquer, viens, s'il vous plaît, écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer encore? Non, mais viens, on va parler dans le salon, entre. Voilà pourquoi je t'avais dit, comme je ne croyais pas en amour. Je sais, mais viens, c'est important, s'il vous plaît. Oh my god! Il faut que tu me donnes une chance pour que je t'explique. Non. Moi j'ai des secrets aussi, j'ai des secrets. Je t'en prie, tu dois pas partir comme ça. Non, je t'aime. Reste avec moi, je suis désolée. Non, je suis vraiment désolée. Tu vas aimer à comprendre. Ça va qu'au champ qui a sauté dans la tête.
commencer avec la règle. Est-ce qu'elle t'a pas dit c'est un pute? Non. D'amour. Vim Piclet. Jack. Ou pas comprendre. Expliquez-moi, Olivier. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Qui m'a fait rouler? Femme bon Jean. Il fait la règle ensemble. Il est prochain. Waouh. Expliquez-moi. On t'a commencé d'amour. Il fait moins bien non plus. C'est ça qu'a donné. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais pas comment pour expliquer ça. Yo, pas l'autre dit. Femme la terre moi-même. Ou bien la chine au monde qui est moi encore. Qui est Mexico? C'est une femme qui t'a relé. Allô? Oh, ça va? Ouais, en fait, je suis désolé. Hein? Ah, attends-moi. Hey, Jack, il faut que j'aille. Hein? Je sais pas, est-ce que tu vas rester ici? Oui, je peux rester. Ok? Ok. En fait, je t'attends. Jusqu'à ton retour. Ok, pas de problème. Non, ça va pas retarder, non. Ok, j'arrive. Agent Donself. Bonjour Agent Donself, ça va bien? Ouais, ça va bien. Toi, comment ça va, ma préférée? Ça va super. Écoute, la raison de mon appel, c'est à propos de notre suspect dénommé Judson Dedley. En fait, j'ai remarqué, il a changé la couleur de ses cheveux. Il avait des cheveux bourgogne. Là maintenant, la couleur est rendue noire. J'ai pu remarquer ça. Ils sont intelligents, mais nous sommes des professionnels. Nous allons travailler sur le dossier et nous allons aboutir à notre enquête. Il ne peut pas nous avoir ce con. T'inquiète pas, on va gérer ça. Écoute, moi je suis prêt à tout faire, à tout donner de ce qu'il y a dans mon pouvoir pour mettre les mains sur lui. Parce que il paraît trop suspect. En même pas l'espace de quelques jours, il change ses cheveux comme ça. En tout cas, nous, on va l'avoir. Et en passant, parlons autre chose. Qu'est-ce que tu fais samedi? Comment ça, pourquoi? Ah bon, je sais que samedi on travaille, on est en congé, mais j'aimerais t'inviter à une piscine pour qu'on aille passer du beau temps, pour passer le stress et tout. T'en penses quoi? Écoute, agent Donsef, je suis inspectrice. Je suis ta boss, ne viens pas m'inviter. Et tu sais quoi? Bye, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, c'est quoi pour qui lui? Ça c'est pas Taïcha? Mais oui, c'est lui. Alors, c'est moi et Jandy. On était à l'Université de Montréal ensemble. Mm-hmm. Okay. Alors, elle est sémiotician. Elle a terminé, moi j'ai fini. C'est ça, on était des meilleures amies. Donc, vous catégorisez votre relation juste meilleure amie? En fait, c'était comme ma famille. C'est ça. Alors, elle est une très bonne femme. Mm-hmm. Elle aime la vie. On s'amuse, on fait plein d'activités, c'est ça. C'est ce qui vaut les meilleures familles, c'est ça.
Donc, c'est là que s'arrête l'amitié? Oui. Oui, c'est là. Mais malheureusement... Malheureusement quoi, mademoiselle Taïcha? Salut Taïcha, ça va bien? Et merci, toi? Oui, est-ce que tu as un petit 5 minutes pour parler? Ok. Pourquoi? En fait, je t'explique, c'est que je suis vraiment tannée de la job. Vraiment, je suis tannée, je veux quitter, je suis vraiment tannée, je veux plus être là. Je comprends, mais moi aussi, j'allais te dire, non, on va laisser ce job parce que c'est pas pour nous. Exactement. Exactement. Et toi, t'étudies pour devenir avocate, moi pour devenir psychologue, c'est quoi ça? Genre, je comprends que c'est pour l'argent et tout, mais on peut pas vivre comme ça non plus. Je comprends, mais je suis très fière de toi. Alors, quitte ça là. Moi, j'ai quitté déjà. J'ai quitté depuis. Ouais. Alors, je vais faire ça, exactement. Je sais que ce soir, j'ai un dernier client, mais j'ai pas le choix de le prendre. Non, non, n'y va pas. Pourquoi tu as un dernier client? J'ai pas le choix. Non, tu as toujours le choix. Benazel a toujours le choix. C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai encore des manuels à acheter et j'ai pas les sous, donc j'ai pas le choix. Ça va être le dernier. On va trouver une solution. Mais tout va pas. Tu sais pas, il va pas. Regarde, je vais y penser honnêtement. Je vais y penser. Tu sais que j'aime pas demander de l'argent, mais je te remercie. Je te remercie vraiment de m'appuyer dans mes décisions. Puis on va s'en sortir ensemble. Et ça, on est les amis. Exactement. Okay, oh, merci. Vas-y, ma chérie, prends soin. Oh, oui, merci, bisous. C'était très fort, bye. Bye bye. Mais je l'avais dit non, d'arrêter tout ce qu'elle faisait, mais elle m'a pas écouté. Ok, bon, je comprends tout ce que vous dites. Je vais vous demander de ne pas quitter la ville. Au cas où que j'ai d'autres questions, je vais passer vous voir. Madame, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour moi. Je sais pas, parce que en ce moment-là, ma vie est tellement stressée. Je comprends. Je veux découvrir ce quoi. Je comprends. Donc, on va venir avec une solution. D'accord? Merci. Moi, je suis prête à m'engager. Alors, je lui ai dit que je voulais qu'on se fiance. Bonjour Monsieur Dudley, je suis inspectrice Liz et voici mon collègue agent Don Self. Nous sommes ici pour vous poser quelques questions. Êtes-vous prêt à collaborer? Donc, comme je vous disais tantôt, nous sommes ici pour enquêter sur le meurtre de Jeanne. La nuit du 24 juillet, vendredi. Vous étiez où vers 19h? Je pense que j'étais chez moi. Non, j'étais dans ce bar. Avez-vous un alibi pour prouver cela? Ben, j'ai ma collègue, Nepana, et c'est Becky. J'étais avec elle. Monsieur Dedley, nous tenons à vous rappeler que tout mensonge, toute obstruction commune, enquête est considérée comme pénale. Vous feriez mieux de nous dire la vérité.
Mais pourquoi? J'étais la vérité. J'étais dans un bar avec ma collègue qui est Becky. Et je partage la maison avec elle, mais on était en train de boire quelque chose. C'était quoi exactement votre relation? Vous vivez ensemble? Ben, comme je viens de vous dire, c'était ma petite amie. Et on sortait ensemble. Mais on ne vivait pas ensemble. Un couple? Monsieur, est-ce que vous avez un mandat? Monsieur Edley, comme a dit ma collègue, nous sommes inspecteurs et nous enquêtons. C'est sûr que nous avons un mandat. C'est à votre nom, vous pouvez vérifier, c'est le procureur qui l'a émis lui-même. Donc, continuez à répondre à des questions et moi, je continue mon travail. Comment nous pouvons faire pour contacter votre soi-disant colocataire? Ben, son nom est Becky François. Et si vous voulez, je peux vous donner le numéro, son numéro. Bien sûr, ce serait utile. Nous allons vérifier votre alibi. Et s'il vous plaît, ne quittez pas la ville. Au cas où on a d'autres questions pour vous. OK? Merci pour votre collaboration. Bonne journée. Non seulement vous êtes suspecté de meurtre, en plus, vous mangez cette cochonnerie. En tout cas, pour le bien de l'enquête, je vais pouvoir garder ça. Merci. Merci pour votre collaboration. Hein. C'est quoi ça? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Le gars, il a l'air suspect. On doit réviser cette enquête. C'est ça. On va revenir. Attends, t'as vu ce qu'il a dit? J'étais chez moi. Non, je pense que j'étais dans ce... On va venir parce qu'il faut aussi voir sa colocataire. On va poursuivre l'enquête, on va retourner. Oui. Quelques jours, je te vois ici. L'école, c'est comment? Ça commence vraiment mal, quoi. Ça va pas bien. Veux-tu m'en parler? J'ai vraiment pas envie. Mais... Tu t'es dit que t'as un mariage, comme ça? Déjà? Bah, j'ai jamais pensé, j'en dis, t'as fait ça. Mais c'est pas à cause de toi la mort. Je sais. Mais pas oublier, pas de jambes, je veux les ménages encore. Depuis que je quitte Haïti, je ne veux pas les ménages encore. L'entrée dans la ville, il faut des choses spéciales. Bah, même quand je suis contre si je suis un monde qui t'a fait ça encore. Ah bon? Comme quoi? Oui, fais-moi sentir sale, fais-moi sentir. Mais qui vous comprendre? Quand il y a un célibataire, oui. Bienvenue dans le club. Mais ça va bien aller. T'as presque fini l'école, donc j'espère que tu vas reprendre ton chemin. T'es déjà en terminale. Bonne journée, ok? Ok. Oh, en passant, la semaine passée, là, on est venu m'interroger par rapport à toi. Qui est-ce? Deux policiers. Quoi? Ouais, à propos de Jandy, quelque chose de ce genre. On m'a demandé vendredi soir, j'étais où? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'étais chez ma mère, moi, vendredi soir. Oh, shit! Donc, comment je sais pas, c'est ça? N'oubliez pas de me donner une parole, ça m'a dit. Même si tu m'as pas connu. Oh, je suis complètement... Est-ce que ça passait? Le nombre de gens me disent, les gens viennent dans le pays, ils étaient tellement bon, ils sous pression, ils me parlé. Qu'est-ce que ça va le faire? Mais... Je t'ai dit au carré ton encore. Possiblement.
pourquoi il me semble qu'il doit. Hein? Vous avez ça passé? Mm-hmm. Ou là, oui. Parce que moi-même, j'ai ça en Haïti. C'est colloque. C'est un bague d'autres monde habite en bas. C'est comme si on famille. Becky, moi, c'est négocié qu'à arrêter. Dans cette histoire d'amour, je ne m'en vais pas. Est-ce que vous avez colloque, mais maman, ma famille? Comment c'est chaque maison de ta famille? Tu n'as pas fait considérer dans pas. Becky, tu es déjà de retour? Police. Monsieur Dedley, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jeanne-Di. À partir de ce moment, vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit d'engager un avocat pour suivre votre interrogatoire devant la cour. Sinon, un avocat vous serait commis d'office. On y va. Problème, ça pas qu'à marcher en libéré.